ce soir, les gars, on va rec un peu à tout ce qu'on a eu. Je pense qu'on va aller sur Twitter déjà pour commencer. Merci à eux, ils ont tout traduit, donc ils nous mettent bien. Alors, on a eu quoi là? Ici, c'est ce qu'il y a eu. Ok. Ils ont tout regroupé sur un site ou pas? Ah, on dirait bien. Je sais pas si ça va être plus simple que je regarde directement sur Twitter, mais j'ai l'impression qu'ils ont tout rassemblé là. On est un peu content parce que vas-y là, on a des news. Les gars, J-2. Toujours J-3, mais vous avez capté. Jeudi, les gars, j'annonce jeudi 11h ou 11h30, je suis en stream, les gars. Westogoff, ça dit quoi? Dans 2 jours, yes. Dans 2 jours. Après, les gars, j'ai quand même un peu peur sur certains trucs, mais ça, on va voir ça après. Je me dis, je pense que ça va être plus simple qu'on lit sur Twitter, vu que c'est un peu plus regroupé. T'as vu quand la page elle est blanche comme ça là? Ah, mon gars, les gars, ça va tellement se la buter. Ah ouais, mais tout le monde est hype, les gars. On va enfin pouvoir poser les mains sur un jeu qu'on attend depuis 2016, frère. C'est vraiment une dinguerie. Alors, c'est ça, je crois. Je sais pas si ça va être mieux. Je crois que c'est mieux qu'on aille sur le site, les gars. Alors, déjà. Alors, les gars. Ah, on remercie Inazuma Frontière de nous avoir fait un bon petit topo. Vu que le japonais, j'y comprends rien. En parallèle, on se met ici. Vous connaissez. Alors. Alors, on fait le point sur tous les nouveaux détails dévoilés sur la bêta. Le contenu, il sera ajouté, etc. Ok, on a quelques images. Ça, c'est les images que Pegachan, il a envoyées, je crois. Je crois qu'il y a rien de nouveau. À part, quelques petits screens. Je crois qu'on a des screens sur les objets. Là, il y a Arion et Victor sur une technique, etc. On a une petite image sur Endwaru. Et la première image, on l'a déjà vue. À part ça, c'est que du Japon, les gars. Ok, date de lancement, ça, on sait déjà. Du coup, il y a une partie 1 et partie 2. Et je crois que j'ai fait une erreur sur mon TikTok parce que j'ai pas précisé que du coup, j'ai dit la partie 2, il y aura Alias Academy. Mais genre, l'Alias Academy, je crois qu'on l'a débloqué déjà sur la partie 1. Et la partie 2, c'est en mode. Comment on appelle ça? En gros, on va avoir Alias Academy, mais niveau 50. Tout en sachant qu'en partie 1, on sera max level 30. Le mode histoire, du coup, arrive entre avril et mai, c'est ça. Exact, c'est ça. Je crois que c'est entre fin avril, début mai, si j'ai bien compris. Du coup, pour la partie 1, on aura quasiment un mois, quoi. Voilà. Et voilà, je crois que c'est à peu près ça. Du coup, j'avais regardé un peu pour les niveaux de difficulté, etc. Mais vas-y, on va voir ça dans l'ordre. Partie 2, entre fin avril et début mai, ouais, comme j'avais dit. Chapitre 1 du mode histoire, qui sera légèrement différent du jeu complet. Ouais, apparemment, il y aura plus de cinématiques, et etc. dans le jeu en entier. Donc, c'est-à-dire que le mode histoire qu'on va faire, là, quand la partie 2 sera sortie, ce sera pas le chapitre 1 de la version complète. J'aime pas attention que c'était écrit, gros. Je suis mort. Par ailleurs, l'interface du jeu sera mise à jour pour correspondre à celle du jeu complet. Et une nouvelle difficulté légendaire sera ajoutée pour l'équipe maître d'Alius. Dans cette difficulté, l'équipe sera de niveau 50 et s'annonce comme étant un terrible adversaire. D'autant plus que notre équipe ne pourra pas aller au-delà du niveau 30. Donc les gars, partie 2, l'Alius Academy, la team Alius Academy va être up niveau 50, mais on peut pas monter niveau 50. Donc il faut full renta notre formation. Moi je trouve ça excellent. Ça me fait penser un peu à Inazuma Eleven Ultimate, hein. Rien s'il nous a préparé un peu à ça, je suis mort. La partie 2 est la seule mise à jour actuelle prévue. À ce propos, level 5 ne prévoit pas d'ajouter davantage de personnages dans la bêta. Donc les gars, on aura 48 personnages, pas plus. Tout en sachant que il me semble que on aura au total environ 111 techniques dans la bêta, si j'ai bien compris. 111 techniques dans la bêta, ce qui équivaut au nombre de techniques qu'on avait dans le premier jeu Inazuma Eleven sur DS. Alors ça, c'est le mode compétition solo, aperçu de la base en qualité. Okay. Pour les matchs en solo, seule la difficulté de base Inazuma sera disponible au départ. Il faudra débloquer les difficultés supérieures Death Zone et God dans la boutique du jeu. Boutique du jeu, je pense que c'est monnaie du jeu, les gars. Faut pas mettre les talents. Mais du coup, les 48 joueurs, tu les auras dès le début? Non, du coup. Si je dois faire le calcul, 11 plus 100... Non. Attendez, parce que vu que je suis nul en calcul mental et rough, pardonnez-moi. 11 joueurs plus quoi? Il y avait combien de remplaçants sur la team de trucs là? Attendez, j'ai une idée. Akihiro, on va aller sur le site. Est-ce que c'est celui-là? Yes, il me semble. Ok, du coup, ça fait 6, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, 16. Et du coup, en fait, du coup, cette team là, faudra la débloquer un peu plus tard dans la partie 1. On les aura pas tous directement. Ouais, Zidark, ça dit quoi? Donc, en gros, pour commencer, on aura ça. Et ensuite, on débloque Alius Master. Et on aura un autre niveau de Alius Master sur la partie 2, qui sera niveau 50. En gros, ça va être le boss final de la bêta, quoi. Sauf qu'on les aura pas tout de suite. Ouais, c'est cool. En vrai, t'enlèves 16 joueurs. En gros, ça te fait un calcul. Attends, je te fais le calcul en 2 spi, vu que je suis éclaté en. Du coup, je fais. Donc, si j'ai bien compris, logiquement, Alius Master, on les aura pas directement. Et donc, du coup, on aura 32 joueurs pour commencer. Et ensuite, en montant ou en, je crois, en échangeant avec des objets, etc., je crois, on débloque du coup le reste. Wesh, Edouk, ça dit quoi? 32. Wesh, les gars, vous voulez grave me prouver que je suis éclaté en calcul mental. Je suis fatigué, j'ai même pas fait l'effort. T'es vraiment nul en maths comme sur Striker. Vas-y, Edouk, y a rien, tranquille. Du coup,
coup, ça c'est la boutique d'objets, je crois, il me semble. Cela a déjà été évoqué, non. Victory Stones. Ouais, du coup, Victory Stones, du coup, je crois que c'est la monnaie, du coup, pour acheter tous les trucs. Bah, du coup, pour acheter la difficulté des zones et God, du coup, il faudra les Victory Stones. Et je pense que c'est la même monnaie pour débloquer, du coup, l'équipe. La boutique permettra également d'acheter différents équipements, mais également des maillots et des emblèmes pour personnaliser son équipe. Donc, on aura plusieurs maillots, etc. Je suis au CLG. C'est quoi la durée de la bêta? Bah, c'est jusqu'à la sortie du jeu entier. Donc, on aura la bêta pour plusieurs mois, quoi. Viens, on fait notre classico. Ça doit être ça. Quel classico, frère? Il me fera frapper bien fort. Je crois qu'il faut que je configure un peu la manette hein, avant. Parce que je crois que j'ai tout bien fait sauf la manette. Alors, les équipements c'est tout, comme le bandana de Mark ou les lunettes de Jude. Les objets de la boutique peuvent être échangés contre des jetons obtenables en jouant des matchs. Du coup, ça, c'est la boutique d'objets. Ça, c'est le mode compétition, genre multijoueur. Du coup, il y a les matchs classés, les salons privés, donc vous pouvez jouer entre vos potes. Et si j'ai bien compris, je crois qu'il y a un mode local. Hein. J'ai cru voir lire, je crois que j'ai lu qu'il y avait un mode local, je suis pas sûr. Ah, on va bien manger en fait, je pensais que ça allait durer 30 heures. Non, en fait, 30 heures, c'est la durée de vie de la bêta. En gros, en 30 heures, t'as déjà fait le tour. Mais la bêta, tu l'as indéfiniment en fait, t'as capté? T'as besoin de pierre pour un mur étatif, ok. Chiche. Le nouveau modo. Du coup, les matchs classés, du coup, ils nous ont précisé, du coup, au niveau des systèmes de points. Une victoire, ça te donne 100 points, un match nul, 20, et une défaite fait perdre 50 points. C'est déjà cool parce que, tu sais que de base, dans leur délire, c'est que les matchs nuls, ils devaient avoir un gagnant. C'est celui qui faisait le meilleur match, même s'il y avait match nul. Heureusement qu'ils ont levé ça. Incroyable, le level 5 nous régale. Oui et non quand même. Dans le sens où je sens qu'on aura vite fait le tour, quoi. On aurait très vite fait le tour en fait. Il y a trop de potentiel. Si les salons privés pouvant accueillir jusqu'à 4 joueurs, donc 2 joueurs qui jouent et 2 spectateurs, ils sont protégés par un mot de passe, seront privilégiés pour les tournois compétitifs. Donc le mode Enjoy Mode, donc le mode normal, se veut quant à lui plus casual et fixera tous les personnages au niveau 10. Ce mode permettra ainsi de jouer un match amical sans se soucier de l'écart de niveau entre les joueurs. Vous avez capté les gars? Salut LJ14, ça dit quoi? Tu vas bien? Ça sort quand? Le 28 mars à midi, bah jeudi qui arrive, à midi sur Switch, et PS4, PS5 et Steam, on n'a pas encore de date, mais ça arrive. Je pense que ça arrivera dans le mois de... Il y a des chances que ça arrive dans le mois d'avril, ou soit mai, genre après la partie 2. Ok, ensuite, bonus pour le jeu complet. Comment déjà annoncé, il sera déjà pas possible de transférer le contenu de la bêta dans le jeu complet. Ouais, ils ont dit que, en gros, ta progression, bien sûr, c'est logique, ta progression, elle passera pas. Viens avec toi, frérot, appelle-moi le LG, c'est plus court, t'inquiète. Vas-y, tranquille. Ok, la bêta est payante. Est-ce que la bêta est payante? Non, elle est gratuite. Par contre, il va falloir avoir le online sur Switch. Par contre, sur PlayStation et Steam, Steam, je pense pas qu'il y a d'abonnement. Mais pour PS4, PS5, je sais pas s'il faut le PS Plus du coup. Les gars, vous voulez faire un sondage à Quen, LG et Sogoff? Quel genre de sondage je vais faire lui? Sur Switch, t'as un bail pour avoir une semaine gratuite d'online au début. Ah ouais? Moi, dans tous les cas, j'ai ralasse. Hein. Les gars, j'ai ralasse le online. Hein. Je me suis pas pris la tête. Après, quand t'as connu l'ancien abonnement online de comment ça s'appelle? De PlayStation, vraiment, quand tu vois 20€ par an, tu dis ça va. Tu dis ça va. C'est tous les mois 7 jours. Ah ouais, carrément. Je savais pas. Du coup, ouais, carrément, il veut faire un. Lui, il s'amuse maintenant. Je t'ai donné trop de pouvoir, Edouk. Mais quand t'as connu le online gratuit, ça va pas, MDR. Ouais, j'avoue, c'est réel. Du coup, d'après Inno, il vaut mieux que ce ne soit pas le cas pour ne pas impacter la difficulté. Marque est censée être rare et difficile à obtenir dans le mode Chronicle, donc pouvoir importer son marque légendaire au niveau maximum de la bêta remettrait ça en question. Ça, c'est un peu logique. Mais cela ne veut pas dire pour autant que les joueurs qui ont investi du temps dans la bêta ne seront pas récompensés. Du coup, pour ceux qui auront joué à la bêta, quand le jeu va sortir officiellement, on va pouvoir avoir des succès. Voilà, permettant d'obtenir des objets si l'on possède une sauvegarde de la bêta. Du coup, on va avoir des objets exclusifs pour ceux qui ont joué à la bêta en avance. Pour obtenir ces récompenses, il faudra accomplir des objets tels que jouer à la bêta, vaincre Alus en difficulté gold, atteindre la fin du chapitre 1. Du coup, j'avais lu ça, les gars. Moi, j'ai pas capté. Quand ils ont dit trois fins différentes, moi, je pensais que c'était le jeu en entier. Mais je crois qu'ils parlent du chapitre 1. Je sais pas, en fait. Est-ce qu'on parle du jeu entier ou on parle juste du chapitre 1 quand ils parlent de trois fins différentes? Moi, dans ma tête, de base, hein, c'est le jeu en entier. Mais je sais pas. Mais c'est quoi son sondage, là? Il va faire quoi comme sondage, lui? MDR. Ça va, on fait Douk. Les objets obtenus en récompense pourront également être obtenus dans le jeu complet en jouant normalement. Ok. Ça, c'est tranquille. Particularité et limitation de la version bêta. Ouais, du coup, les joueurs niveau maximum, c'est niveau 30 dans la bêta. Dans le jeu complet, ce sera 50. Donc, ok. Puis, la limite sera progressivement étendue. Comme déjà annoncé, la rareté maximale dans la bêta sera légendaire. Les personnages dans la bêta ne posséderont que jusqu'à 2 techniques. Donc, les gars, un personnage, c'est 2 techniques max pour la bêta. Par ailleurs, il ne sera pas possible de les modifier. Donc, les gars, un perso, 2 techniques, et c'est pas modifiable. C'est vachement... C'est chiant. Franchement, les gars, on va pas se mentir, c'est vachement casse-couille dans le sens où ça risque d'être sacrément répétitif. Parce que tu fais vite fait le tour avec
avec 48 joueurs. Hein. Et je vous rappelle qu'on a ça pour plusieurs mois. Il ne sera pas possible de révisionner les cinématiques animées du mode histoire dans la galerie. Par ailleurs, il sera interdit de diffuser ces cinématiques sur internet, YouTube, réseaux sociaux, etc. comme spécifié dans les consignes. Ce sera bien entendu autorisé dans le contexte d'un let's play. Ok, c'est bien de préciser. Par exemple, mais si vous aviez l'intention de publier une compétition de toutes les cinématiques, vous pouvez tout de suite oublier. Ok, donc en vrai, je pourrais faire mon let's play. C'est tranquille, c'est carré. La deuxième partie de la bêta ajoutera une fonctionnalité pour contrôler le gardien de buste. Donc les gars, première douille. J'espère que ce sera une masterclass, on attend le jeu. Je pense qu'il y a des trucs qui vont un peu gazer les gars, on va pas se mentir. Au niveau de la bêta déjà, on va l'avoir pour plusieurs mois, de 1. De 2, le fait qu'on puisse pas contrôler le gardien de but dès le début de la bêta, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont déjà élaborer une technique de nommage. Et je vous assure que ça va être toxique de zinzin, que ce soit en ranked ou partout. Ça va être chiant. Il faudra attendre la partie 2 pour pouvoir contrôler le gardien. Et encore, c'est même pas sûr que ça puisse vraiment baisser considérablement les taux de nommage, tu vois. Le sondage fonctionne pas. Pourquoi? Je sais déjà comment faire des nommages sur Victory Road. T'es parti dans les fichiers du jeu ou quoi? Fou quoi lui. Des ajustements et équilibrages pourront être apportés au jeu entre la première et la deuxième partie. Ok, donc s'il voit que les nommages c'est un peu trop toxique, Belek, il faut une mise à jour. J'ai étudié le Tokyo Game Show. Ah ouais, tout ça. Mais le jeu il a changé depuis. Hein. Ces fonctionnalités sont principalement prévues pour le jeu complet. Menu invocation, que l'on avons déjà pu avoir sur une précédente capture d'écran, désactivée pour la bêta, permet de convertir des esprits en joueurs. Donc ça c'est ce qui va permettre de faire, de éveiller les persos, genre les faire, de les faire évoluer du coup. Mais non, mais Hidouk lui, il travaille à level 5 lui, c'est sûr. La bêta elle sera pour la PS4. Yes, Jaguar, elle sera sur PS4, mais pas le 28, pas jeudi, du coup. Jeudi, c'est que pour Switch, et PS4 et PC, ça arrive un peu plus tard. On n'a pas de date pour l'instant, mais juste, ça arrive, mais pas maintenant. Ability Board, déjà annoncé il y a un moment. C'est quoi ça? Ce menu est une sorte d'arbre de compétences réarrangeable, permettant, entre autres, de modifier les techniques apprises par un personnage. D'où le fait qu'on ne puisse pas les modifier dans la bêta, cette fonctionnalité n'étant pas disponible. Ok. Le doublage dans la bêta sera uniquement disponible en japonais. Heureusement. Je t'en prie, Jaguar. Heureusement, wesh. L'exception des commentaires pendant les matchs qui seront disponibles en anglais, on ignore si d'autres langues seront disponibles. Du coup, les textes à l'écran seront quant à eux bien entendu disponibles dans toutes les langues. Possibilité de changer le nom de l'équipe, possibilité d'envoyer des stickers et messages prédéfinis dans les Samsung Mutu. Ça, on s'en fout en vrai. Autre détail, je lis ce qui est intéressant. C'est moi qui a commencé le concept du 28, pas les autres. T'es trop chaud, Edouk MDR. Crée ta chaîne. Je suis mort. Du coup, le nombre de techniques dans le jeu est équivalent à celui d'Inazuma Eleven 1. C'est ce que je vous avais dit du coup. Ah, j'avais dit 111, c'est 112. Je suis en ouf. À terme, le nombre total devrait être encore plus grand. Franchement, les gars, je sais même pas si je pourrais vous donner une fourchette de nombre de techniques qu'il y aura dans le jeu complet, mais je pense que ça risque d'être colossal. Tout en sachant qu'il y a aussi des chances où, il y a des nouvelles techniques qui arrivent avec des mises à jour. Genre, c'est grave possible. Il a été confirmé que le jeu contiendrait des techniques issues d'Ares. Heureusement, on a déjà pu en apercevoir quelques-unes dans la bande-annonce avec Asuto ou Nosaka, mais aussi d'Orion. Donc, du coup, il y aura des techniques d'Orion aussi. Ok. Donc, Ares, Orion, donc, du coup, il y aura vraiment les techniques de toutes les saisons. Il n'y a pas d'exception. J'ai pas fini, Edouk. Fou quoi, lui. Date de sortie, s'il vous plaît. Tu veux la date de sortie de quoi? De la bêta? La bêta, c'est jeudi. Jeudi, le 28 mars, midi. Que pour Switch. PS4 et PC, on n'a pas encore de date. Tu spoil trop. Comme ça, je spoil trop. Il n'y a rien, wesh. Il sera possible de drop des objets dans tous les modes de jeu, y compris les parties privées. Donc, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que t'es en compète, tu peux drop des objets. Ok. Un match dure environ 10 minutes, temps réel. Le nombre de joueurs affichés en jeu est celui de l'utilisateur Switch. Ok. De toute brèche, donc probabilité de marquer 100 techniques est de 10%. Mais il sera possible de le doubler avec les bons passifs. Donc, les taux de brèche, donc c'est-à-dire marquer 100 techniques maximum si t'arrives à. Comment on appelle ça? Si t'arrives à optimiser du coup avec les passifs, tu peux monter jusqu'à 20% de taux de brèche. Donc, de nommage. Dinguerie. Ça va. C'est pas élevé après à voir sur le jeu, tu vois. Parce que 20%, ça peut suffire à des mecs qui se la butent. Le point d'exclamation rouge à côté des joueurs sur l'écran de formation indique qu'on possède des esprits pouvant les améliorer. Ok, donc ça veut dire. Vous avez vu? Attendez, je vous montre. Vous voyez les petits points d'exclamation là qu'il y a eu ici? Ça veut dire qu'en gros, t'as des esprits pour ces personnages là et que tu peux les up. Voilà, tout simplement. Voilà. Ouais, mais c'est Bobby. Tu parles de qui là? Tu parles de moi? PC, t'as pas besoin d'abonnement. T'es sur PC. Et PlayStation, je sais pas. Hein. Ça dépend si PlayStation décide de faire les rats ou pas. Aucune idée. Après, vu qu'ils sont connus pour être des rats. Belek. Mais en vrai, c'est trop bizarre un hein, Inazuma sur Play. Bah après, normal les gars. Par contre, si je décide de faire un tournoi pendant la bêta, pendant la durée de la bêta, je pourrais pas faire gagner de l'argent. Level 5, ils l'ont interdit. On peut pas faire gagner de l'argent sur un tournoi. Du coup, il y aura pas d'argent en jeu. L'abonnement est de combien? Tu pars sur Switch? Si c'est sur Switch, mon gars, c'est sur 20 balles l'année. Par contre, PlayStation, aucune idée. Tu penses mieux qu'un Striker? Ça foudre Striker mille fois. Striker, les gars, ça me fait penser aux gens qui disaient que, ouais, ils auraient préféré avoir un gameplay Striker. Les gars, vous imaginez un nouveau jeu Inazuma Eleven en 2024 avec le gameplay de Striker? Ça aurait giga flop, hein. Ça aurait giga flop. Pour la première fois, tu seras en avance.
faire. Vous voulez grave me faire. À midi, sort sur PC ? Non. À midi, sort que sur Switch. PC et PS4, les gars, c'est après. Genre, ce sera genre dans... En fait, on n'a pas de date. Pour PS4, PS5 et PC, on n'a pas de date, les gars. Je suis d'accord avec Sagoff. Mais vas-y, vous. Vous voulez grave me faire. Vous voulez grave me faire. Du coup... Ouais, du coup, regardez. Il a été confirmé que le coach Hillman pourra être bien être utilisé en tant que joueur. Vous voyez, ici, vous voyez, il a un élément. Donc, s'ils disent qu'il a été confirmé que Seymour, on pourra le jouer dans le jeu, c'est-à-dire que Unme, vu qu'il a aussi un élément, bah, on peut le jouer aussi. Donc, c'est-à-dire que le personnage principal, il sera jouable, potentiellement. Donc, dinguerie. Possibilité de changer le nom de l'équipe. Dinguerie. Possibilité d'envoyer des stickers et messages. Bon, ça, on l'avait, hein, je m'en fous. Le taux de drop sera environ 5 fois plus important en multijoueur qu'en solo. Donc, les gars, si vous voulez drop des vrais objets, il faut partir en multi. Ah ouais, la bonne patte gauche. Hillman en mode Neuer. En plus, Hillman, il doit être boosté, hein. C'est sûr qu'il va être boosté. Du coup, tout ça, on a vu. Les ambassadeurs pourront faire gagner des goodies officiels lors de leur tournoi, tels que des maillots 15e anniversaire, des badges ou des carnets spéciaux 25 anniversaire de level 5. Ok. Présentation d'Italy. Ok, du coup, là, il parle du coup de la présentation qu'il y aura cet été, entre août et septembre. Du coup, il n'y a pas de date. Du coup, ils vont présenter deux nouvelles mécaniques de jeu pour le jeu en entier. Ils nous sont révélées. Ces mécaniques seront entièrement nouvelles et n'ont jamais été annoncées par le passé. Donc là, on parle pas de armure, ni de Miximax, ni de vous avez capté, de esprit guerrier. Et il s'agirait apparemment de fonctionnalités dont les fans rêvent depuis longtemps. Certains fans imaginent déjà par exemple un éditeur de personnages, mais les possibilités sont nombreuses. Les gars, ça veut dire que en plus des esprits guerriers Miximax et armure, on a en plus de nouvelles fonctionnalités et à Skip, il y en a un, on attend de ouf. Ça fait longtemps qu'on attend. Donc les gars, Belek, ça pourrait être une dinguerie. Je sais pas du tout ce que c'est, j'ai aucune idée. Vous pensez c'est quoi les gars en vrai? C'est quoi le potentiel là? Là on parle d'un jeu avec un mode solo, un mode multi, un mode chronicle, un jeu assez complet. Quelle fonctionnalité il pourrait rajouter pour que le jeu il soit encore meilleur? En plus de ces nouvelles sur le jeu, ouais, du coup, en plus de ça, ils vont annoncer la date de sortie. Du coup, entre août et septembre, on aura la date officielle du jeu en entier. Donc là c'est cool. Mais genre sortie mondiale partout et sur toutes les plateformes. Faudra attendre. Bien sûr, je serai en live pour voir ça. N'importe quel, peu importe la date. Il sera question entre autres d'une campagne Victory Road ainsi que du premier tournoi officiel. Si on parle du tournoi officiel, ok, d'accord. Les joueurs qui ont investi du temps dans la bêta ne seront pas récompensés. Enfin, si, ils seront récompensés. En effet, le jeu complet contiendra des succès permettant d'obtenir des objets si l'on possède une sauvegarde de la bêta. Du coup, on aura des objets. Je sais pas c'est quoi les objets, mais on aura des objets spéciaux pour ceux qui ont joué à la bêta. Surtout que c'est une bêta jusqu'à possible novembre-décembre. C'est ça qui fait peur, les gars. En vrai, on a eu beaucoup de trucs quand même. Hein. On sait un peu comment la bêta va ressembler à quoi, donc c'est cool. Et en vrai, J-2, les gars. Hein. J-2, et les gars, la vie de crasseur hein, d'ici deux jours. Hein. Vous avez capté? Voilà quoi. J'espère qu'on va pouvoir faire quand même des trucs intéressants avec ce qu'on a. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Avec du contenu, etc. Tu vois. J'espère pouvoir faire un minimum de trucs. Mais je pense qu'à un moment donné, tu vois, ça va s'essouffler. À un moment donné, tout le monde aura déjà fait le tour. Et de temps en temps, les gens ils reviendront sur le jeu, tu vois. Mais mercredi, ce sera une journée très longue. On va ressentir l'effet de l'instant céleste, les refs. Ça.